FR Delinet, bonjour à tous. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de « Demain nous appartient », spoilé, Solène va être en dépression, à la mort de Clémentine. Au cœur d'une arche importante de « Demain nous appartient », Solène va connaître bien des bouleversements. Son interprète Artemisia Toussaint s'est exprimée sur le sujet. « Demain nous appartient » a vu le départ de l'une de ses actrices phares, Linda Hardy. Son personnage, Clémentine, disparaît suite à une dispute avec son compagnon Sacha, Renaud Roussel. Selon le comédien, la professeure de gym est décédée. Outre la perte de sa belle-mère, avec laquelle elle s'entendait à merveille, et qui était devenue une confidente, Solène, incarnée par Artemisia Toussaint, la jeune comédienne de DNA, vue dans Askip, et son frère Ben ont découvert que leur père, déjà suspecté dans la disparition de Clémentine, menait depuis des années une double vie. Artemisia Toussaint, Solène va pleurer toutes les larmes de son corps. Artemisia Toussaint s'est confiée à nos confrères d'Allociné sur la réaction de son personnage à la découverte du décès de Clémentine, qui a ému de nombreux fidèles de Demain nous appartient. Elle va être en dépression et pleurer toutes les larmes de son corps. Elle va en vouloir à toute sa famille, parce qu'ils vont lui cacher la vérité, pour éviter qu'elle soit triste. Elle va être au plus mal, parce que Clémentine était comme sa deuxième maman. C'est inimaginable et horrible, comme douleur pour elle. Surtout qu'elle a déjà perdu sa mère. Avec Clémentine, elle avait trouvé un repère, c'était son pilier, et elle était toujours là pour elle. C'est affreux pour Solène. La nouvelle du départ de Linda Hardy a également été éprouvante pour Artemisia Toussaint. Même moi en tant que comédienne, quand j'ai appris que Linda allait partir et que le personnage de Clémentine allait mourir, j'ai pleuré. L'arche autour de la famille de Solène va occuper une partie de l'été. Solène va être dans le déni au sujet des agissements de son père et s'opposer à Garance, Esther Velding, qui est convaincue que Sacha a tué sa mère. Solène doit aussi avant tout se concentrer sur son opération, alors qu'elle se trouve seule à l'hôpital de Boston. Depuis son arrivée dans la série, les fans se demandent si cette dernière va remarcher un jour. Elle espère remarcher, et elle va tout faire pour, confirme Artemisia Toussaint, qui souhaite elle aussi que son personnage retrouve l'usage de ses jambes, après tout ce qu'elle a traversé, j'aimerais que Solène puisse remarcher un jour. Cela me ferait extrêmement plaisir, car elle l'espère depuis longtemps, réagit l'actrice qui aimerait aussi que Solène soit moins triste, et en tant que comédienne, jouer une intrigue plus ancrée dans la comédie. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir.